L'Office parlementaire est une délégation du Parlement et elle regroupe 18 députés et 18 sénateurs, en ce sens elle est originale. Elle peut être saisie par une commission, par un groupe politique ou par le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et elle répond aux saisines, elle répond souvent à des questions d'actualité, par exemple le survol des centrales nucléaires par les drones, ou à des questions qu'on peut se poser sur, par exemple, les robots et la loi. Et enfin, la loi lui demande de faire, par exemple, l'évaluation de la stratégie nationale de recherche, de donner son avis sur les modifications des lois bioéthiques, de contrôler l'agence de biomédecine ou l'autorité de sûreté nucléaire. Donc voilà son rôle. Et très souvent, on essaye d'arriver à un consensus avec un concept qu'on a appelé la triple parité. C'est-à-dire, on met souvent comme rapporteur un homme, une femme, un député et un sénateur, ou une députée et un sénateur, et puis quelqu'un de la gauche, de la majorité, quelqu'un de l'opposition. Bah, je crois que c'est majeur. Les gros problèmes du changement climatique, ils viennent de l'utilisation d'énergie fossile et de leur rejet dans l'atmosphère, ce qui provoque dans la haute atmosphère des accumulations de molécules en petites quantités, mais qui empêchent la réverbération du soleil. Et donc les conséquences, c'est que pourquoi on rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère ou d'autres composés carbonés ? Parce qu'on les utilise dans les transports, on les utilise dans l'agriculture, on les utilise dans le bâtiment pour se chauffer et on les utilise pour tous les usages finalement où on consomme de l'électricité, notamment avec tous les appareils modernes de communication. Donc si jamais on veut agir là-dessus, si on veut agir sur le transport, si on veut agir sur le bâtiment, si on veut agir sur des procédés plus propres de fabrication industrielle, il faut que les gens l'acceptent. Car si les gens n'acceptent pas, à un moment donné, ou ne comprennent pas l'intérêt de modifier des comportements, on n'y arrivera pas. Et c'est les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières, et donc c'est l'individu petit ruisseau qui va former la grande rivière de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il faut absolument qu'il y ait un dialogue science-société sur ce sujet pour que les gens s'approprient la lutte contre le changement climatique et qu'on ne leur impose pas. On en a beaucoup parce que tous nos rapports, c'est exactement cela. Nous, on va travailler en amont de la législation pour mieux fabriquer la loi ou pour mieux faire comprendre à nos collègues parlementaires qu'il est important d'agir. Alors je vais vous prendre un exemple qui va sans doute être, avec le réchauffement climatique, un des gros sujets du XXIe siècle. C'est la révolution de la modification ciblée du génome que les Américains appellent le genome editing. Alors qu'est-ce que le génome ? Le génome, c'est les logiciels de la vie. C'est ce qui nous permet d'être ce qu'on est, à une bactérie ou à un insecte ou à un arbre d'être ce qu'il est. Et c'est constitué de lettres successives. Et quelquefois, quand il y a une lettre qui est mauvaise, on a une maladie, qui est une maladie métabolique. Et la modification ciblée, on est capable, grâce à un guide maintenant, d'aller exactement à l'endroit pour le changer. Ça va avoir des conséquences dans la médecine, fantastique. Ça va avoir des conséquences dans la lutte contre des maladies vectorielles. Mais en même temps, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on a le droit de changer une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule initiale qui va se transmettre de manière héréditaire ? Au nom de quoi ? Qu'est-ce qui va être un gène insupportable ? Donc ça va poser des questions éthiques. En agriculture, est-ce que c'est des OGM ou pas des OGM ? Est-ce que ces produits ont un impact ou pas sur la santé ? Dans les maladies vectorielles, est-ce qu'on a le droit, pour empêcher quelqu'un d'avoir le paludisme, est-ce qu'on a le droit d'éradiquer une espèce ? Car on est capable d'éradiquer une espèce en mettant un gène d'infertilité chez un insecte. Toutes ces questions sont des questions majeures. Et donc, ces questions, eh bien, il faut se les poser. Et ça montre le lien qu'il y a entre la politique, d'une part, et la science. La science a envahi notre société
par l'intelligence artificielle, par les problèmes de climat, par les problèmes de génome, par les problèmes de bioéthique. Et donc, il faut que toutes ces questions, les parlementaires les aient traitées en amont, et car les conséquences sont des conséquences dans la vie de tous les jours.